A été touché, Miko Tadze est en train de reprendre sa place, mais Toulon assure sa qualification pour les demi. Vous avez entendu le public de Mayol, c'est maintenant acquis. Toulon va retrouver le Munster et on aura deux clubs français en demi-finale. Clermont qui ira à Twickenham défier les Saracens. Toulon aura encore l'avantage du terrain, on sait que c'est déterminant en phase finale de Coupe d'Europe face au Munster. La pénalité de mettre Guito passe. Toulon 29, Leinster 14. Et face à la qualité de la dernière première irlandaise, le Munster, eh bien, il y aura aussi le talent de joueur comme Matt Guito, impeccable dans son rôle d'organisateur et dans cette capacité aussi qu'il a à concrétiser les avancées de ses partenaires. Ils sont déchaînés, les Toulonnais. Ouais. Après une première mi-temps cadenassée, Toulon a pris la mesure de son adversaire. Et quel adversaire, je vous le rappelle quand même, 10 joueurs sur les 15 faisaient partie de l'équipe d'Irlande, victorieuse du tournoi des 6 nations. C'est pas rien ce que sont en train de faire les Toulonnais. Ketchner peut-être pour la première carte. Attention, il reste 30 secondes. Je veux continuer pendant les dernières 30 secondes. Je veux oublier Toulon. Allez, allez, allez. Montrez les drapeaux. On y est presque, Anthony, on y est presque. Bien pris, il donne tout dans cette fin de match. Les joueurs du Leinster ont sauvé la face. Il ne suffira pas, ballon récupéré par Castro Giovanni. C'est le dernier ballon et Clarsens peut-être. Non, Monsieur Vance intervient. Il y a un plaquage derrière sur Clarsens qui s'agace un petit peu. Le Madigan me semble-t-il. Sans vexer les Irlandais, j'ai pris avec lui à presque les titres depuis de nombreuses saisons. Vexé de tomber chez l'actuel champion d'Europe. Et monsieur Vance, si je la fais ça, on y est face au Leinster. On est en demi-finale de l'Ascup. On a battu les champions d'Europe 2009, 2011. 2012, mais les champions du monde 2013, c'est qui? Après la qualification du rugby club toulonnais, on fait un petit détour par la régie à Paris et on ouvre un stade 2 spécial ici en direct. On est en demi! On est! Geste pro. Le rugby sur France 2 avec Génimax Matériel.